attend. La parole de Dieu. Amen. Amen. Laissez-moi parler. Sinon, je peux. J'ai rien pu parler, j'ai prié comme ça. C'est quand Jésus a fait cette parole à la croix pour dire tout est accompli. C'est la dernière parole qu'il a rendue là. Pourquoi quelqu'un attend de mourir et puis il dit mais c'est accompli? Qu'est-ce qui venait de s'accomplir? La question que tout le monde doit se poser. Je suis en train de mourir, moi, atroce. Oh, s'il vous plaît. Jésus a été vidé de son sang. Après que son père l'a abandonné, Élie, l'amant sabatani. Mon Dieu, comment m'as-tu abandonné? Parce qu'à l'instant qu'il se trouvait, si Jésus avait le péché de l'humanité, c'est lui. Comme Dieu avait les yeux purs, il ne pouvait pas regarder Jésus. Il a connu le rejet, l'abandon. Vous n'êtes plus contre les gens, contre l'abandon. Jésus a été humilié. Vous n'êtes plus que tu sois humilié. Il a connu l'ignominie parce qu'il a été mis à poil à la croix. Je vous assure, lorsqu'il est, qu'on a touché le cou, la christologie, j'ai pleuré tout le temps pendant le cou. La vie de Christ. C'est là que j'ai compris que Jésus n'est pas un charpentier. C'est un ingénieur en bâtiment. On le voit, ingénieur. Les gens disent les charpentiers. Il n'y a pas bois à Nazareth. Il faut avoir bois comme dans le coup pour avoir. Ingénieur, il construisait une maison. On sera sûr. En bâtiment, ce n'est pas charpentier. Il y a des choses que je vais savoir. Donc moi, avant de servir Dieu, j'ai cherché d'abord le connaître. C'est ça la théologie, la connaissance de Dieu. Je suis en train d'étudier avec les grands rabbins juifs pour connaître leurs secrets. Ce sont ceux qui nous ont parlé de Dieu. Ceux qui nous ont envoyé Dieu là, c'est les juifs. Et quand vous regardez un juif, vous savez bien que les juifs. Parce que les grands hommes d'affaires dans le monde sont des juifs. Les Yves Saint Laurent envoyés, c'est des juifs. Yves Saint Laurent envoyé pour moi pour. Les grands hommes de Dieu, c'est des grands hommes d'affaires, les piquets, c'est des juifs. Celui qui a créé le Facebook, là, des jeunes, c'est un juif. Maintenant, il ne va pas être fait ça. Ils ont des secrets. Amen. Amen. La Bible a été traduite dans trois langues. L'Ancien Testament, en hébreu. En araméen, le Nouveau Testament, c'est en grec. Vous savez que quand on traduit, forcément c'est dilué. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être traduites forcément en français. C'est pour ça que la Bible, vous savez, les gens ont les difficultés dans la traduction. Quand j'ai fait les études, il y a les noms en Dieu. Quand les gens vont écrire, ils tombent. Parce qu'ils ne peuvent pas prononcer parce qu'ils ne sont pas purs. C'est ça que la Bible ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Oui. Donc on lit même l'hébreu. Et puis quand on voit la version française, mon troupe, il a problème. Amen. Il y a des choses que vous devez connaître. Pour ça, vous devez courir après la connaissance. Pour ne pas te limiter à ce que tu as appris dans ton église. C'est ce qu'on appelle les dogmes. Pour ne pas te limiter à ce que tu as appris la connaissance. Le seul problème, c'est que tu es limité dans la connaissance. Quand tu fais le cours à ce qu'on t'enseigne. Mais le jour que la porte peut rester à Thessalonique, pendant qu'il parlait, les gens vérifiaient pour voir ce qu'il disait. Pourquoi tu sais la richesse de la connaissance? Pour chercher à connaître. Amen. C'est ce que nous essayons de vous apprendre ici. La connaissance. Amen. En principe, quand quelqu'un a Yahweh, Dieu d'Israël, Israël, non, il ne doit pas être comme tu es.
Faut qu'on sente que tu es un Dieu. Un Dieu, on l'a pas comme ça. Quand on a un Dieu, pour qu'il nous bénisse. Les gens disent non, je ne suis pas chrétien. Je ne parle pas des questions de religion. Je te parle de ce que j'ai. Ce que tu dois avoir. Si tu veux que je parle, puis après Jésus dedans, je vais parler comment? C'est pas la fin de ton cause. Comment tu veux que je parle, puis je ne peux pas dire Jésus, il va prier pour toi. Mais il dit à mon nom. Amen. Donc si tu as Jésus, il y a des choses qui ne doivent pas t'arriver. Non, ça c'est la vérité. Dieu doit mettre une différence entre toi et le païen. Forcément, il doit mettre une différence. Parce que toi tu l'adores, l'autre ne l'adore pas. Qu'est-ce qui doit attirer celui qui ne l'adore pas à lui, de ta vie? Mais comme il y a des choses qui n'ont pas été détruites dans ta vie, rien n'est encore changé. Ce que les parents ont fait, les adorations des parents, ces pouvoirs sataniques, démoniaques existent encore dans ta vie. C'est vrai que tu adores Jésus, mais les démons sont là. Les démons sont là. Quand tu t'envoies la pauvreté, quand tu t'envoies la misère, tu te fais tourner en rond. Tu n'es pas encore séparé de Dieu. Alors quand Dieu a appelé Abraham, il va dire à Abraham, c'est pas toi. Quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte ta famille. Vous devez vous séparer de ces liens. On doit vous séparer du génie de votre papa. C'est vrai que tu ne l'adores plus, mais il est dans ta vie. Nous devons vous séparer d'avec ce génie. Et quand Abraham a quitté, il a bâti un hôtel à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a renversé l'hôtel satanique des parents. Il a bâti un hôtel à l'Éternel. Désormais, ça serait l'hôtel à l'Éternel dans ta vie. Pas les hôtels sataniques. Je vais renverser les hôtels sataniques pour installer le terre de l'Éternel. Il va toujours descendre pour poser avec toi comme il faisait dans le jardin. Amen. Dans le jardin, Dieu descendait poser avec Abraham. Et Adam plutôt. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les hôtels soient renversés. La présence dans ta vie. C'est cela que tu as le célibat. C'est cela que tu as des choses bizarres. Lisez Galates 3, le verset 28 à 29. Nous allons lire ce passage. Il faut que je te sépare des choses. Tu es d'accord? Tu vas te séparer des choses. Tu veux se séparer des choses. Amen. Les génies doivent te laisser. Ils doivent te libérer. Amen. Amen. Leur hôtel doit te renverser. Galates 3, le verset 28 à 29. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Hein? Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes un en Jésus-Christ. Nous sommes tous un en Jésus. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendante d'Abraham. Vous êtes les enfants d'Abraham. Et nous sommes selon la promesse. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes les enfants d'Abraham. Et nous sommes selon la promesse. Quand tu es né, il y a déjà un héritage sur toi. Qui est jeté, celui qui te bénit est béni, celui qui te maudit est maudit. Tu dois être la tête et non la queue. C'est ton héritage. Tu dois être prospère partout où tu passes. C'est ton héritage. C'est ce que je vais te donner tout à l'heure. Mais je vais chasser. Donne-moi l'autre.
Le prophète de l'élévation prophétique. Prophète de l'Orient. Il n'est pas dans vos histoires de prière. Soulève-moi le sourd. Renverser les hôtels sataniques. Les oiseries démoniaques. Dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui existait comme hôtel satanique dans ta vie, la présence des démons, la présence des adorations de tes pères, cette présence satanique, pendant que je suis en train de parler, je renverse ces hôtels. Quand tu prends le somme 23, dis Hachem. Les choses vont changer. Celui qui dit Hachem, c'est lui qui agira pour toi. Pas éternel, celui qui dit éternellement, ça ne veut rien dire. Non, bah, moi, quoi, nada, il est zéphilé. Quand il dit Hachem, quand il y a un Hachem, c'est que quelqu'un l'a pris. Oh, ben, dans le milieu, c'est là. Chacun un petit nom d'avant. Quand quelqu'un dit son petit nom d'avant, tu tournes pour dire quelqu'un m'a reconnu. Ah, n'y dit Yavala, moi. Alors, il y a là. Ah, ça veut dire. Merde. Il est là, oui, il a mal humeuré. Amen. Je vous disais ici que Jésus, là. Je vous dis à quelle année ça veut dire. Jésus, ne va pas bon, il dit Jésus, on sera là. Je ne m'y arrive pas là. Le nom Chine n'existe pas dans la langue. Jésus, moi, les locaux, Jésus, il est pour. Moi, non, il est choix. C'est alors, mais il n'a plus Jésus. Jésus n'a jamais été vêté de Nialé. Les locaux ne viennent pas dans ce cas-là, il est beau, Nialé Boukou. Il n'a jamais été vêté. Mettez, il y a un autre diable. Il est un juif. Juif, il y a un autre diable. Il s'appelle Yeshua. Voilà, Yeshua. Les choses, je vais t'enseigner. Les gens nous ont caché des choses. Ils ont troqué la parole. C'est ça que nos vies sont bizarres. Mais vous voyez, à nous, quand vous voyez Luc Second, théologie païenne, la théologie libérale. On est plus d'abord. Il y a des traditions, il y a des versions. Quand moi je lis, il y a des problèmes avec ça. Tu as alors dans la Bible. Tu as tiens. Comme on dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Il y a un nom hébraïque de Dieu, si tu connais. Dès que tu dis ce nom, Dieu est obligé de rentrer en scène. Il est obligé de tourner la situation à ta faveur. Le nain n'y dit. Oh, qu'est-ce que c'est là? Oh, miam, il n'y a aucun frère, c'est encore grave. Mais je vois là, ayez peur de Juve, moi, seulement. C'est ça, vous voyez, il était très intelligent. Il a travaillé les Juifs. Bon, moi, non, moi, non, de n'est pas bien, moi. Dans la gloire. Mais il a construit même. Il a construit à Jérusalem, la construit. Oh, Jérusalem, vous voyez ce livre, hein? De Goïd, dans sa garde rapprochée, c'était les Juifs. Les gens rejetaient Israël, il avait fait une alliance avec Israël. Il a des choses quand tu fais, Dieu bénit tes bénis. La voix, on vient de la voix, on n'y va pas. On ne veut pas Israël. Moi, quand je me lève maintenant, je bénis Israël. Et Dieu se passe là, on n'y va pas Israël. Pourquoi la Bible, celui qui bénit Israël, bénit. Bible, on ne va pas Israël, on parle nous. Et vous voyez, nous, nous sommes là. Et là, c'est là.
Amen. Je suis en train de voir un peu votre croissance. De matin, notre niveau, vous dormez des choses. C'est quand il dit du gamas. Le jour quelqu'un a un problème avec toi dans ton service, quand on a se ligue contre toi, le Okako Dieu, vous envoyez le vent de midi. Il y en a des assassins. Vous voulez 14h. C'est une amour 13h30. Ferme-toi dans ton bureau. Le bureau me craint. Quand il dit de Dieu, c'est bas. Le vendredi prochain, tu as envoyé le nom d'un ange que tu as envoyé. Le ange, c'est le même. Le méchant là. On a mis à la même voie. Moi, on est le qui. Moi, on a un cadeau. Moi, on a le qui. Ange, c'est moi. On est là quand il sort. C'est pour ça que moi, j'adore pas les anges. Saint-Michel, Saint-Gabriel, moi. Le Gabriel, le. Moi, Ange, c'est moi. Il est là. Moi, je suis désolé, Saint-Michel. Je suis désolé. Ah, je disais. Tu dois venir me servir. Je suis un gamin. Un an, gamin. De toi, moi qui est grand. Ah, nous sommes dans les cadres. Hein, les cadres. Amen. Amen. C'est moi qui ai été créé à la ressemblance. Amen. Il a battu leur nom. Si c'est moi, on va te dire leur nom. Toi, c'est sa chose. Le monde, nous sommes toujours. Je vais te mettre à mon service. Il va dans mon nom. Si tu as adoré les anges, vous êtes vécu. Ah, non, non, non. Je suis à mon service. Moi, il y a un an chez moi. Amen, il y a un an qui me suit. Il y a un an qui va prendre mes affaires. Le mot bien là, il y a un chou, on va vous enseigner. Non, non, lui qui s'en chou, c'est son problème. Ah, il y a un an, il y a les anges sont bibliques. Il y a un an, il y a quatre catégories d'anges. Il y a un coup, grenier, grenier, moi. Alors, on peut me dire. Alors, il vient là. Non, 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 c'est un nom d'un ange. Les séraphins. Non, les séraphins. Les chérubins. Les archanges et les anges. Les anges. Que Dieu bénisse. J'aime les gens qui ont la connaissance. Archanges, la catégorie des archanges, qu'est-ce qu'ils font? Les chérubins font quoi? Les séraphins font quoi? Séraphins, ils font quoi? Ils font quoi? C'est les choses que Dieu connaît. Il est naïve, il est naïve. Moi, je vous montre ça. Et parce que nous ne prenons pas de mysticisme. Ces mysticismes, on cache les choses. Les insectes, les insectes, on doit connaître les choses. Moi, non, nous devons connaître les choses. Regardez, il y avait cette période qu'on appelle l'âge mort de l'Église. Il y a eu des personnes comme les lutins. Ils sont venus comme une réforme. Les calvaires. Les calvaires sont venus mettre des réformes dans la parole de Dieu. Après ça, il y a eu le mouvement des baptistes. Les baptistes, où on dit. Il faut qu'on se baptise au nom du Père, par immersion. Et puis après, ça y est, le mouvement des pentecôtistes. Nous sommes les pentecôtistes. Moi, pentecôtiste, j'allais. Donc, à chaque fois, c'est comme ça. C'est dans notre temps, là, c'est exactement. Il y a des choses qu'on doit vous apprendre. Il y a des choses qu'on doit vous apprendre. Amen. Nous sommes à l'ère de la démonstration. Là, on même les scientifiques aussi nous démontrent. Le jour où les États-Unis ont voulu jouer à Poutine, il a envoyé un ingénieur. C'est un tableau. Il dit, regardez, en 2 heures du temps, je mets les États-Unis ensemble. Regardez. Puis les ingénieurs montrent. Les États-Unis sont restés. Plus ou moins, on a un président, moi, là, on a donné la cause de Dossol, l'État, dans ma vie. C'est pas de parler pour vous. Nous sommes à l'aide de la démonstration. De quoi ton Dieu est capable? Moi, d'abord, il y a un peu là. Non, il est dans le ciel. Il s'en fout de ça. On y a un peu, mais il n'a rien à battre. Toi, mais si tu es sûr d'aller aussi. Moi, il va gagner. Tu sais, dans l'île de Gomme, là. Tu es convaincu? Il va gagner dans l'île de Gomme, là. Si c'est pas la grâce de Dieu. D'accord. Oh, pas, mais tu es d'accord. Il y a des choses qu'on doit savoir. Il est dans l'île de Zadikama. Oh bien. Il y a des choses. Si tu maîtrises. Il qui est même puissant. Il n'a pas tué. Tête étrange. Dieu ne t'appelle pas pour être la même personne. Non. Il y a toutes les personnes que Dieu a appelées dans la Bible. Dieu les a transformées. Okay, on a pu parler d'eux. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Moi, ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi on parle demain de toi? C'est qu'à Wakan, on connaît tout ça maintenant. Oui. Maintenant. De toi, on va parler. Moi, oui, il est là, on va parler maintenant. Je vais faire ça pour que si quelqu'un a l'argent, c'est quoi?
Chacun fait sa prière. Si tu es dans l'église, moi, il m'en fout de ça. Mais on a prié ce matin, c'est pour que si quelqu'un doit avoir l'argent, et des milliards, ça doit avoir l'argent. C'est pas que quand on n'a pas l'argent, vous êtes là, vous camionnez, non, non, c'est vous, vous voulez, c'est quoi? Quelqu'un qui n'a pas l'argent n'a pas bon pensé. Quoi, on est dans la carte? Oh, Gougouna, il y a une mauvaise pensée dans la société. Dans ton corps, nous sommes pas venus au Gougouna. Il y a un délit, tu n'as pas l'argent. Il y a ça, il est dans la carte. Tu vas fêcher. Il y a un yito. Il y a nous. Dès que tu sors, il fait ton. Je m'en avais tapis. Je m'en avais. Je m'en reste. Le billet, tu es bon. Il a dit, mais il vient déjeuner. Il a dit, non, il va simplement vous dire bonjour. Tu as un gaga pour nous. Dans le bonjour, il y a un enveloppe de 50 000. Mais tu as pour nous amener dans les bagnes. Ils ont dit, bonjour, prends. Oh, le tien pour nous, le bouddha. Il a dit, ton affaire. Nous, on a eu bon. Il a dit, mais je vois, il a dit, tu n'as pas, ça a changé ta pensée. Et Tiaka, vous voulez regarder Dieu. Il finit par dire, tu vas pleurer devant Dieu. Il me dit, alors, mais pas nous, mais il dit, bon Dieu, il est péché, mais pas bon, il a des minots. Et vous, tu as mis. Moi, je t'apprends comment avoir l'argent. Et même Dieu, on a des corps dans la classe. Et tu as su que tu as l'argent sur toi, la maison. Dans la classe. Le marché change. Non, il va quelque chose. Tu m'as doucement. Dès qu'il arrive, c'est dépêche vite. Mais non, non, c'est pas. Vous. Non, 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 mais il est mis à voilà. Je suis passé par là. Il prime, mais il est mis là. Il est mis au. Quelqu'un t'a expérimenté. Quoi? Il est au bipi, oui. Il prime. Je ne suis pas Dieu, mais pauvre. C'est pas qu'au ciel, c'est là-bas que l'or et l'argent. Votre maison, là, c'est en or. En esprit, c'est qu'il y a un problème. Ok. Vous partez dans ma maison en bois. Si vous bois, vous allez essayer de boire aussi. Vous n'en avez pas de l'argent. Vous voulez foutre de Dieu. J'ai assis que vous au ciel. Si vous bois, nous devons bien. Moi, il y a des quartiers, il y a des habités. Bakwe nana. Anne bien con. Je suis en train de nous choper. Il y a des quartiers, moi je ne veux pas aller là. Ah, mais capine, amina, vous m'avez dit. Il y a des démons de ces quartiers qui vont me déranger. Mais c'est bien, deux, vous voulez attendre là. Il y a même les bénins, mais. Il n'y a pas les noms. Il y a ce qu'on a commis. À Bobo de l'Erai. Eh, à Bobo. Et puis tu vas réussir là-bas. Derrière l'Erai. Ben, quand il y a quoi dans l'intérêt de Binama. Comment on dit le nom de Dieu, t'as déjà placé. Il dit, capine, la présence là, l'homme, tu vas me dire, la nièce, tu as fait quand. J'ai dit, merci à pas coûter sur lui. Parce qu'on sait que c'est les gens qui blessent les gens là-bas. C'est quoi? Quoi, Dadia là? Amen. Chacun sait où il met sa tête. En un pied, il n'aime pas les mains. Il y en aura. Toi, tu t'en fous. Tu voyages. Tu es venu faire ta chose. Il nous calme. Celui qui n'a pas parlé, c'est son problème. Il y a un bon ticket, tu as assis. Si le régulateur, ça lui dit rien, toi tu t'assois. Quand il y a eu, on a nous envie, on a dit, on a dit, on a dit, celui-là a l'argent. Quand il y a accident, je ne sais pas savoir s'il sort. Il demande au chauffeur, est-ce qu'il y a ma voiture? Eh, au milieu de tout, on n'a pas le chauffeur à faire quoi? Dis, est-ce que ma voiture est bien faite? Oh non, là tu vois bien, mais ma route a mis en l'air dans ma voie, vous dites, vous voyez. Le chauffeur lui dit rien, c'est moi qui. Chauffeur, vous pouvez donner une place, hein. Voilà, tu vois bien, elle ne m'a pas vu ça, hein. Je vous assure. Je crois qu'aujourd'hui, les mystiques possèdent les banques. Vous avez les banques. Ouais, non, vous, quand vous avez fait ça, moi, quand vous avez fait ça, vous avez fait ça. Vous avez fait des mystiques. Il n'est pas dans l'air de l'eau. Il était à comme. Il ne mange pas. Il dit, mais. Parce qu'il mettait les choses. Mais ouais, ils en ont. C'est tout. Mais bon. Nous, on nous enseigne, il ne faut pas aimer l'argent. Oui, on a voir ma dame. C'est pas bon. Hein? Le pasteur prend une manche grosse. Le pasteur m'a amené l'offre tout le monde. Il m'a amené l'offre. Il avait quoi, Bramien? Vous ne savez pas que ça coûte de l'argent?
Mais regardez le riche. Ce qu'il mange et puis il reste rectangoro là. C'est ce que l'argent mange. Mais tu avais mis l'argent de Allah. On dit son désir c'était manger les miettes qui tombaient à la table riche. Comment toi ton désir de ton père là-bas? Vous n'avez pas vu chat? Quand vous mangez chat, quelqu'un de vous n'avez pas vu? Chat fait comment? Avec. Hein? Il ne fait pas mieux, il y a quelque chose. Non, les yeux, il fait comme ça. Ça fait tomber. On a vu chat. On a vu que des animaux. Non, c'est le chat des plus, ça. C'est comme ça que l'argent faisait. Quel argent, comme chat fait. Il y a des agnans, on a ça, on a ça. Dieu, on se met à tomber. Et vos bases, agnans, c'est femme. Si vous êtes à la tête, les gens viendront vers vous. Comme ça, ton évangile est vivant. Je suis parti à gagner mes gens. Mon nom me dit, mais les pasteurs viennent me demander l'argent. Il vient prier. Il vient prier chez toi. Il vient me demander l'argent, puis Dieu est béni. Mais toi, quand tu viens, tu nous fais manger, tu nous donnes un peu de l'argent. Même si on a ça. C'est pas moi ma vie qui l'a témoigné de la personne de Dieu. Amen. Vous devez avoir du travail. Aïe, levé. C'est ça, vous allez avoir. Au nom de Jésus. C'est ça l'homme, la dignité de l'homme, c'est son travail. Quoi? On a enseigné beaucoup de choses. Mais valeur le corps. Dieu doit vous élever. La gonne est couturée. Ce que je suis en train de faire, c'est son appellation prophétique. Le prophète est différent du pasteur. Non, le prophète de l'eau, non. Amen. L'eau, c'est pas sorcellerie. Je dis entre diable et Dieu. C'est diable qui propice Dieu. Le jour où il est enseigné sur le pouvoir de l'eau, il y a les enseignements partout. Voilà. Le mystère de l'eau. Ce jour-là, tu vas comprendre que l'eau, tu es en train de voir. Il y a beaucoup de choses dedans. La matière qu'on appelle l'eau, tu vas comprendre. Tu vas te remplir de bière. Tu crées l'eau, toi tu bois bière. Tu fais tomber, ça te terrasse, tu m'attraites. Tu vas dedans, puis tu m'attraites encore. Tu relèves les pieds. Amen. C'est quand Jésus est sorti de l'eau qu'il voit ses fils entendre dans le ciel. C'est nous. Celui-ci est mon fils. Mon homme, il est un homme bien encore. Il y a des choses que tu vas connaître. Il faut d'un aïe mes radicaux. Tu connais des choses. Il faut d'un aïe mes radicaux. Quand il est sorti de l'eau, puis en fait, nous, on voit ses fils. Mon homme, il est un homme. Donne-moi un gobelet de l'eau. Je vais nettoyer au nom de Jésus ce qui a été fait sur toi. Obélé. En fait, ce qui n'existait pas va commencer à exister au nom de Jésus. Vous devez être grand. Il n'est pas dans nos cadres. Amen. La Bible dit que c'est nous qui allons manger les meilleures productions du pays. L'argent, tu te promets qu'il vient dans ma poche. Dans la nuit, vu que il n'a pas son nom, il n'a pas son nom. Amen. Amen. Donne-moi le gobelet. Amen. Les esprits, quand tu rencontres quelqu'un qui veut te marier, il fuit.
son portable est sur bonjour orange. Donc en ce moment ne peut pas te joindre. On va en discuter. Cherchez à savoir qui est qui. Tu m'apportes rien, dégage. Et tiens, j'ai fait la. Et j'ai apporté pas forcément l'argent. Dans la tête, moi, je dois me donner les idées pour me faire avancer. Eh, il n'a qu'à regarder qu'on est en Google. Il n'a pas de soucis à moi. Pourquoi? Vous voyez, il faut pas. On est piqué, c'est quoi? Dégage. Vous voyez, dans mon âme, c'est quoi là? Il dit bien Google. Tu dois m'apporter quelque chose. Il fait dans la tête, il y a un.